Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire le deuxième épisode des Schtroumpfs. On avait fait la dernière fois le premier. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit en haut à droite et en barre d'infos. Avant de commencer cette vidéo, si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne rien louper et à mettre un max de petits pouces bleus. Ça fait toujours super plaisir. On va reprendre. Je sais même plus où on s'est arrêté la dernière fois. Je me rappelle plus. J'en profite, je vous mets le planning de la semaine si vous voulez voir les vidéos qu'on a faites et qu'on fera. Alors, je me rappelle plus ce qu'on avait fait. On avait fait tout le chapitre 1. Donc là, on doit faire le chapitre 2, logique. Donc on y va. Donc je n'ai ni feuille de route, ni plan, ni horaire. Alors. Tout cela ne m'a pas l'air très bien organisé, n'est-ce pas? Je vais aller voir le grand Schtroumpf pour qu'il m'en dise un peu plus sur cette mission. Ok. Et voir le grand Schtroumpf. Prépare-toi à rejoindre le Schtroumpf bricoleur dans la forêt. Parle au grand Schtroumpf. Bon, allez, on y va. Salut. Oh, salut. Qu'est-ce que tu fais? J'aime bien lui à chaque fois qu'il dit « Oh, salut, qu'est-ce que tu fais ?» Ok, allez, il est là. Bonjour, grand Schtroumpf. Comme vous le savez, je me suis porté volontaire, n'est-ce pas? Je me préparais à partir, mais il me manque des informations. Ah, oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire faire, lui? Source d'Aqua Magnifica dans le camp du Schtroumpf sauvage. Mais va d'abord voir le Schtroumpf bricoleur dans la clairière. Il répare le pont suspendu menant au camp de notre cher ami. Très bien, j'ai mémorisé vos informations avec la plus grande attention, grand Schtroumpf. J'espère que le Schtroumpf bricoleur aura terminé le pont. Je ne veux pas attendre trop longtemps. Bien le bonjour. Quel plaisir d'avoir la confiance du grand Schtroumpf. Cela dit, c'est normal. Je suis son bras droit, bon, n'est-ce pas? Et j'ai toujours mené à bien les missions qu'il m'avait confiées. On y va, là? Ça parle beaucoup, hein, ce petit machin-là. Donc, on va par là? On va aller dans la forêt, on va aller voir le grand Schtroumpf. Le Schtroumpf bricoleur. Allez, on commence bien, je sais même pas ce que je dis, moi. Allez, on y va. La forêt, elle est là, tu vois, il y a un panneau. Très bien. Pour suivre les panneaux, parce que moi, à chaque fois, je sais pas où je vais. Il y a des panneaux, mais je vais dans le sens inverse. C'est ma logique. Ok, on y est. Attends, ces trucs-là, je peux... Il faut vite que je rejoigne le Schtroumpf bricoleur dans la clairière. Ah ouais, je cassais ça. On le fait dès la dernière fois. Truc-là. Splash. Je sais pas. Bon, bref, allez, on en profite. On dégomme tout ça, là, de toute façon, déjà. Hop. Allô. Qu'est-ce que c'est? Schtroumpf costaud. Tu me Schtroumpf? Oh là là. Malheureusement, très bien, Schtroumpf à lunettes. Qu'est-ce que tu veux? Il y a une malbête qui se cache dans le sol. Je ne suis pas sûr de pouvoir passer. Mais oui, on va passer. Évite ces projectiles. Ce serait dommage qu'elle t'assomme. Si ah ouais. Tu t'approches, elle se cache et ne laisse qu'un bout de tige dépasser du sol. Essaie de lui sauter. Elle m'a vu. Fais un gros splash. En lui schtroumpfant un gros splash. Oh la vache. Attends. Mollo, hein. Tu t'es cru ou toi? Dégage. Voilà. Tiens. Oh ouais. Tu t'es cru ou celle-là? Tiens, ça splash un gros splash. Ça schtroumpf un gros splash. Oh. Eh, le langage de schtroumpf, laisse tomber. Oh là là. Il faut que je me remette dans le bain là. Je sais même plus comment on fait ça. Allez hop. Tuk. C'est qui toi? Ah, c'est toi. Que voilà. S'est-il trompé ici? Les malboules nous ont attaqués. Moi, j'aime pas les malboules. Où sont-elles? Je vais leur schtroumpfer une bonne leçon. Elles sont parties. Elles ont bloqué le chemin en schtroumpfant un éboulement. Moi, j'aime pas les malboules, ni les passages bloqués. Moi non plus, schtroumpf grognon. Mais peut-être pourrais-tu m'aider à trouver un autre accès? Moi, j'aime pas trouver d'autres accès. D'accord, j'ai compris. Je vais me débrouiller tout seul. Cherche le schtroumpf bricoleur, utilise le gros splatch pour ouvrir la grotte. Plus tu sautes haut et plus le gros splatch est surpuissant. Attends, c'est ça là. Oh là là. Si je prenais de la hauteur, je pourrais avoir assez de force pour casser la structure. Si je prenais de la hauteur. Ah ok. Donc ça veut dire que ce machin là. Splatch. Ça le casse pas. Salut. Bon allez. Par où je vais passer? Oh. Purée. Vas-y, ok, donc on va passer par là. Voilà. Donc la planche, la voie, elle est là. Mais je pense que si tu vas là,
Et encore plus loin. Plus haut, toujours plus haut, toujours plus fort. On y va. Oh, j'ai peur. Tu appuies sur A, tu effectues un gros splash. Une fois en l'air. Pas tranquille. Oh là ! Allô, grand Schtroumpf ? J'ai réussi à ouvrir un passage pour les Schtroumpfs. Ah, eh, j'ai réussi. Tu vas... Attendez, je raccroche. Je crois que j'ai de la compagnie. Allez. Vas-y, t'as de la compagnie. J'ai peur. Alors, attends. Qui est là ? Il y a des malboules. Oh, ta grand-mère. Ok. Hop là. Eh, pourquoi tu veux pas... Attends, regarde, il veut pas... Ah, mais pourquoi tu veux pas sauter? Il veut pas me... Ah, oh, non, mais dis donc, hein, il voulait pas me splatcher le... La caisse, là. Quoi, ça? Allô, grand Schtroumpf? Navré de vous avoir... J'ai peur, hein, il va me sortir des trucs chelous, là. Mais j'ai réussi à m'en sortir, comme vous le voyez. Oui, je vois ça. Bon, que voulais-tu me dire? Pas tranquille. Tout ce schtroumpf comme il faut? Oui, les schtroumpfs vont pouvoir rentrer au village et je me dirige vers le schtroumpf bricolaire. Très bien. Je te laisse avancer tranquillement. À plus tard. Ouais, à Salut, plus tard, mais... Je suis pas tranquille, je sais pas pourquoi. Je sens le truc bizarre. On va aller là. On me dit d'aller là, lui, mais moi je vais aller là. On me dit d'aller où? Oh, casse les pieds. Oh tiens, une caisse pleine de salse pareille. Ça, c'est le meilleur moyen de reprendre des forces. Ah oui, on le fait depuis tout à l'heure, mais des fois quand je saute... Oh, m'embête. Non mais en fait, je t'explique, hein. Je crois que mes Joy-Con, ils bug. Hein. Ça, c'est casse-pied. Hein. Hop là. Donc, on y va. Passer par là. Le problème, c'est que tu vois, à chaque fois, tu veux aller quelque part et puis après, tu t'égares. Parce que tu veux dégommer ces petites choses là. Moi, après, je sais plus où je vais. Tu vois, genre là, je sais très bien qu'il faut monter. Il faut que je rejoigne les hauteurs. Et d'abord, j'ai compris qu'il faut rejoindre les hauteurs, mais d'abord, j'ai envie d'enlever ça. Voilà, mon petit coco. Donc, écoute, on va rejoindre les hauteurs. Prends les escaliers, en fait, tu vois. Truc logique. Si tu vas t'amuser à aller sauter sur des troncs d'arbres alors qu'il y a un escalier, quoi. Aïe. Ok. Est-ce qu'il y en a encore par là? Oui. Donc... Ok, donc là on a tout fait, me semble. Hein. Ah mais tu vois, ces trucs-là, j'aime pas. Attends, on n'a pas splatché ça. On est là. Joy-Con, il rend l'âme, hein, moi je te le dis. Donc, on va aller là. J'aime pas ces trucs-là parce que... Sérieux? Mais ça, elle est où toi? Ah ouais. Oh, oh mamie. J'aime pas ça. Je sais pas pourquoi. Ça me stresse. Ça me stresse ce truc. On va savoir pourquoi. Quand je suis dessus, ça m'angoisse. J'ai peur de tomber. Je vais le faire quand même. Cette malboule est beaucoup plus grosse que les autres. Ou alors il faut que je change de lunettes. Allez, regarde. Qu'est-ce que tu m'embêtes, toi? Bouge. Oh, au secours. Mais il me... Ah. Eh, hey, oh, tu t'es cru où? Vas-y. Attends.
T'as vu, mais il est gros celui-là, hein. On va récupérer un petit peu de trucs. Voilà, c'est bien. C'est bien, par contre le Joy-Con ira en lame, hein, je te le dis. On est dans la merdouille, je suis pas contente. Allô, il y a quelqu'un? Allô, Schtroumpf à lunettes? C'est moi, le Schtroumpf à bêta. Oh non, il ne pourra jamais m'aider. Je viens de schtroumpfer un cadeau ouvert avec une croix schtroumpfée sur le sol juste à côté. Un cadeau pour moi? Il y a quoi dedans? Oh, c'est pas gagné. Rien. C'est probablement encore une mauvaise blague du Schtroumpf à farceur. D'ailleurs, elle nous casse les pieds, le Schtroumpf à farceur, là. À des kilomètres quand il fait ses blagues. Eh, peut-être qu'il est parti schtroumpfer quelque chose à ajouter dans mon cadeau. Oui, oui, Schtroumpf bêta, c'est ça. Bon, je continue. Il ne doit pas être très loin. Oh là là, il appuie pas le truc. C'est la fin du Joy-Con, là. Allez, on y va. Donc... on va splatcher tout ça avant, tu vois, on va récupérer tout ça puisqu'on y est. Hop, hop, hop. Voilà. On va d'abord faire ça avant de monter. C'est ça le problème de ce jeu, hein. Ça finit jamais, hein. Non, ça j'ai pas envie, je vais les laisser là. Allez, hop. Allez, voilà. Y a quelqu'un? Il y a des champignons, j'aime pas ça. Oh. Allons voir ce qui se passe. Ah là là. Alors attends. Parce que là, je suis pas tranquille. Il y a des champignons. Et moi, les champignons, j'ai peur. J'explique. J'ai très peur des champignons parce que... parce que j'aime pas, en fait. Parce que c'est rare que j'arrive du premier coup et que je ne me splatche pas. Allez, on est des fous. Hop là. 1, 2 et 3. Oh! Oh! J'ai réussi le champignon! Contente. Le truc qui s'est pas lancé, je voulais mettre des cœurs. Ah oui, il s'est lancé, j'ai pas vu. Je les avais pas vus, je regardais pas le bon écran. Allez. Bon, bref, ok. Donc. Tu entends la musique stressante là. Aide-moi, je trouve pas lunettes. Au secours. Oh mince, il est coincé. Il est coincé là-bas. Il est coincé là-bas, mais... il est là. Gagne des cœurs contaminés. Ok, allez. Je me dépêche avant que Gargamel n'arrive. Ne t'inquiète pas, Schtroumpf farceur. J'arrive. Je vais te schtroumpfer de là. Il est là, tu vois. Tu vois où il est. Il est coincé là-dedans. Ah ! Il y a un truc. Il est où ? Vas-y, dégage. Dégage. Dégage, je te saute sur la tronche. Vas-y, il veut pas. Il veut pas sauter, mon truc. C'est la faute au Joy-Con, c'est pas ma faute, hein. La fille qui sait pas jouer, elle dit que c'est le truc. Mais je t'assure, il veut pas sauter. Eh, vas-y, m'envoie des trucs dans la tronche. Oh, purée. Dégage. Oh, il lui saute pas dessus, regarde, regarde. Regarde. Attends. Regarde-moi ça, laisse-moi récupérer ça. Dégage. Dégage. Oh. Récupérer un peu de ça parce que là on est mal. On est mal. Les cœurs, dégage. Dégage, dégage-moi de là, toi. Je te passe au nez. Dégage. Ok. Ça, c'est un cœur contaminé. Déjà fait. Au moins, on en a un. Il est où l'autre? Il est là-bas. Il est là-bas. On y va comment là-bas? Sérieux quoi? Oh la vache. Dégage, dégage, dégage. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Il me jette des trucs sur la tronche. Non, ça va pas. Hein. Ça va pas du tout, hein. C'est quoi ça? Tu as vu les bruits chelous qu'il fait? J'ai peur. Attends. Elle est là. Oh, sa grand-mère.
Il m'agace, lui. Allez. Dégage. Ok, le deuxième, il est là. Voilà. Ça c'est fait, victoire. Plein de petits pouces bleus, les cocos. Ok, donc lui on l'a sauvé. C'est pas mal. Sans toi, Gargamel aurait pu me retrouver et me capturer. Oh, ça aurait eu l'air d'une mauvaise blague. Tu peux m'expliquer comment tu t'es retrouvé dans cette situation? Bah ouais, enfin. J'ai vu ton cadeau ouvert et la marque sur le sol là-bas. J'ai voulu faire une blague au Schtroumpf bricoleur. J'avais préparé un cadeau qui devait lui tomber dans les mains quand il marcherait sur la croix. Ça n'a pas été facile de mettre au point, tu peux me croire. Bon, ben voilà où ça t'a amené, mon coco. Hein. Sauf qu'au moment où j'ai voulu partir me cacher, une malboule a surgi de nulle part et m'a fait sursauter. Du coup, j'ai marché sur la croix et mon propre cadeau m'a schtroumpfé à la figure. Voilà. T'es les schtroumpfés qui croyaient schtroumpfés. C'est ça. Je regrette de ne pas. T'es les schtroumpfés qui croyaient schtroumpfés. J'ai couru sans regarder devant moi et je me suis retrouvé pris dans la maltrape. La prochaine fois, tu réfléchiras à deux fois avant de schtroumpfer des blagues idiotes, n'est-ce pas? Bon, allez, rentre au village. Je dois continuer ma route. Ok. Cherche le schtroumpf. Le schtroumpf. Ravi la falaise. Ah là 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 là. Je me demande. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça c'est fait. On a libéré le Schtroumpf farceur. Du coup, on va s'arrêter là parce que sinon, après, c'est beaucoup trop long. On continuera la prochaine fois. Quoique j'ai trop envie. Ça, c'est le jeu, ça. Après, t'as plus envie de t'arrêter. Par contre, j'espère que ça m'a sauvegardé. Hein, parce que. Ouais, ça m'a sauvegardé tout à l'heure. J'ai vu le truc. Ok, bon. Donc là, du coup, on l'a sauvé. On est content. Du coup, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas, bien évidemment, à me mettre plein de petits pouces bleus pour m'encourager. À vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et à activer la petite cloche. Je vous fais de très, très gros bisous.